on va dire simplement, voilà, c'est fini, quoi. Quel est le temps, écoutez. Ouais, un match un peu l'image de la saison, c'est un peu dommage, mais on fait quand même une belle seconde mi-temps. Ça s'est fait plaisir, des jeunes, des anciens, des jeunes. Et moi, j'étais à la Bagnéré, et puis voilà, comme je leur disais, on a quand même passé une super saison, et vive le stade Bagnéré, que ça continue longtemps comme ça, avec cet esprit. Et voilà, mélange de jeunes, d'anciens, des gars qui viennent, d'ailleurs, qui apportent toujours un super état d'esprit. Je souhaite bonne chance à la première pour la suite, et voilà, après, c'est comme ça. Ouais, ça fait quoi de raccrocher les crampons, ouais. Et puis de voir aussi la nationale B disparaître, ça doit faire mal au cœur, hein. Ouais, bon, après, c'est comme ça, c'est des réformes, on ne peut pas se battre contre. Non. Ça peut rapporter beaucoup du mieux aussi. Donc, ce championnat, ça sera très bien aussi pour les jeunes. Voilà, ce qui est important, c'est que le stade de Bagnéré, il est en fédéral 1. Ça reste stable, le président, les entraîneurs, il faut que ça pérennise et que ça dure le plus longtemps. Voilà, moi, quand j'ai commencé, j'étais en fédéral 3. Aujourd'hui, on est en fédéral 1. Le club, il a grandi super bien. On a eu la chance d'être dans cette génération-là. Des gars qui sont venus de Lourdes, de Lannemezan, de Yaya, de Berbia, du Chêne, voilà. On a lancé les jeunes, il y a Damien Dupuis, des pépites comme ça. Voilà, il faut que ça continue. Et quand on les voit éclore comme ça, c'est magnifique que ça continue comme ça, quoi. Voilà.